Nang's Reborn. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nang's Reborn. Bienvenue. Et je vous souhaite bon début de semaine. Que Dieu soit avec vous. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est extraordinaire. Une chrétienne a décidé de couper toutes ses mèches. Ouais. Ses faux cheveux, tout ça, elle a décidé de les anéantir. Parce qu'elle a découvert qu'il y a des démons dedans. Elle a découvert finalement qu'il existe des démons dans ses faux cheveux. Du coup, elle a décidé de faire le ménage. C'est tellement impressionnant que ça m'a tellement touché. Je me suis dit qu'il faut que je vous montre ça. Mais c'est quoi les perruques? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement, vous allez nous suivre. Nous allons vous montrer en détail ce que c'est et vous montrer cette image extraordinaire de cette soeur chrétienne. Ok, on voit ça au studio. Comme vous pouvez le voir à l'écran, quelque chose se passe ici, je suis sûr. Il n'y a que pas. Et la chose se trouve là, sous vos yeux. Ouais. La soeur qui se trouve juste là dans le coin, elle est en train de couper carrément toutes ses mèches. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez juste à côté. Oui, juste à côté. Ouais, chez la voisine d'à côté. Aïe, aïe, aïe. C'est ça en réalité qu'on appelle les perruques. Vous voyez, non? Ça, ce sont les perruques. Ouais, souvent les femmes achètent des mèches et tout ça. Et voici à quoi ça ressemble en réalité. Ce sont des choses, quand vous les mettez sur votre tête, ça cache absolument votre pure chevelure. Voire même les cheveux que Dieu vous a donnés. Et la plupart de nos jeunes sœurs les utilisent et elles ont l'impression de se sentir vraiment très belles avec de tels objets, regardez. Ouais. Et elles sont nombreuses à les utiliser sans même savoir l'origine de ces choses. Ouais. L'origine spirituelle. Parce que c'est ce qui est important. On a découvert ici dans plein de témoignages puissants que les démons sont cachés carrément derrière de telles choses. Hein. On nous dit qu'il y a une sirène qui est juste aussi derrière l'invention de toutes ces perruques et ces faux cheveux, même tout ce qui est chaud, faux que vous voyez dans ce monde. Aïe, aïe, aïe. Mais quand on voit ces belles, ces femmes, quand on voit ces femmes, vraiment, elles sont très belles. Ah, ouais, ça les rend d'une beauté extrême. Avec les make-up. Ouais, les make-up, toutes ces couleurs, ouais, on se chante, ce monde est vraiment un monde de faux. Tout le monde est dans le faux et les gens sont à l'aise dans le faux, quoi. Vos cheveux, perruque, tout ce qui est humain aussi, mais qui appartient aux voisins. Les gens prennent tout ça pour se mettre sur la tête, sans savoir que derrière tout ça, c'est tout quand même de grandes conséquences, ouais. Des conséquences très graves que vous ne pouvez pas voir d'abord quand vous êtes humain. Voici à quoi ressemble une personne lorsqu'elle porte une perruque. Elle était là au départ. Pour corriger le problème, elle a mis la perruque sur la tête. Ça la rend vraiment très très jolie quand même. Il faut le reconnaître. Et quand on voit plus loin, on peut voir que, regardez ça. Aïe aïe aïe. Comme quoi le diable a inventé tout quoi. Mais le problème c'est ça. Quel est le problème avec les gens? Les gens pensent que le diable se trouve dans la perruque. Ouais. Et regardez un peu ce que c'est. Ce qui est étonnant chez certaines femmes, c'est que elle laisse les frais cheveux et elle préfère mettre des perruques là-dessus. Quel est le problème avec ces gens de femmes là-même? Vous avez des cheveux, mais vous voulez mettre des perruques. Vous n'êtes pas comme ces gens de femmes ici qu'on peut dire tout d'un cheveu. Regardez. C'est quand même bizarre. Hein? Le monde est vraiment étrange. Parce qu'une femme qui a des cheveux complets, elle a décidé de mettre des couleurs là-dessus. Genre les cheveux de Dieu. Et c'est ce que les gens sont en train de faire. Les gens sont en train de faire des trucs vraiment bizarres. Changer la couleur de leurs cheveux. Et tout ça. Qu'est-ce que Dieu pense de tout ça vraiment? Sur le monde, vous serez étonné. Mais laissez-moi vous montrer encore une autre chose. Vous allez voir comment les femmes sont accro à leurs mèches maintenant, comme si c'était leur dieu. Regardez ça. Regardez un homme, lui, son travail, c'est devenu décevoir les femmes.
surtout les femmes qui ont des perruques. Et regardez la réaction de la go. Hein. Par là va commencer. Ouais. Toi, tu veux enlever les perruques de la go. Juste comme ça devant les gens. Qu'est-ce que tu espères? Là, elle s'est fâchée. Oui, elle s'est fâchée. Même si c'est vous, que feriez-vous? Vous avez vu ça? La jeune femme s'est fâchée juste parce que le gars est venu enlever sa perruque. Juste de voir les gens comme ça. Mais pourquoi se fâche-t-elle? Moi, je ne comprends pas. Bon, regardez encore une autre séquence. Vous allez voir. Regardez. Et il prend encore la perruque. Voyez comment la femme a dit de courir derrière la perruque. Pourquoi? Parce qu'elle a acheté ça cher. Elle a acheté la perruque vraiment très cher. Parfois même ça peut aller vraiment à 50 euros, en tout cas même 1000 euros, hein, ça dépasse souvent. Mais regardez un peu ça. C'est une autre femme. Le gars a névé carrément sa perruque sur sa tête encore, regardez. Lui son travail c'est d'aller à la perruque des femmes. Juste pour voir leur réaction. Vous avez vu? Elles ont toutes la même réaction. Elles ont toutes eu ici la même réaction, regardez. Vous voyez? Elle veut même le démonter, le démolir comme c'est pas possible. Même le voisin a eu un peu de perruque, bon, un peu de poutre sur son visage. Elle est même fâchée. Elle est de la fâchée. Vous avez vu ça? C'est ce qu'on appelle la perruque. Ouais, non. C'est ça. Là, vous comprenez. Si vous ne savez pas ce que c'est que la perruque, là, maintenant, vous comprenez. Et vous allez maintenant voir l'action de cette jeune sœur chrétienne qui a décidé de détruire tous ses faux cheveux, ses perruques, tout ça. Vous allez voir maintenant son action et vous allez être vraiment surpris. Regardez. Elle a tenté de faire la délivrance de ses faux cheveux. Vous voyez ça? Au lieu de conserver ses perruques ou bien ses faux cheveux, hein, elle fait le contraire. Vous voyez la différence entre elle et les autres femmes. Les autres femmes, elles sont fâchées quand la naine s'est perruque sur la tête. Mais sa jeune soeur, il y a quelque chose qui l'a touchée. Elle a découvert que l'origine, elle a découvert qu'il y a une origine satanique derrière les faux cheveux, les perruques et tout ce qui est faux. Les faux oncles, les faux auteurs, les faux voisins, les faux cils, les faux quoi. Hey, les femmes d'aujourd'hui, le diable vous a eu. Hein? Et regardez la femme. Elle a tout de tout démolir. Et elle dit aux démons qui sont cachés derrière ses faux cheveux, ses perruques, qu'elle ne veut plus de. Elle dit, il y a longtemps, il t'appartenait. Après, je lui dis, c'est fini. Elle dit, Jésus lui a envers la connaissance. Et elle chasse tous ces démons qui se trouvent derrière la faux cheveux. Ouais. Si elle en a des tonnes de paquets, peut-être même que elle fait ça son métier. Je pense qu'elle fait ça son métier. Hein. Waouh. Si. Que se passe-t-il? Ah! Est-ce que vous avez vu ça? Elle coupe les cheveux là en disant qu'est-ce qu'elle disait? Elle dit je t'appartiens plus, je t'appartiens plus. À cause de toi, il servait le diable. Maintenant, je t'appartiens plus. Et elle coupe ses faux cheveux parce qu'elle a découvert la vérité. Elle a découvert que elle travaillait pour le diable. Ouais, non. Elle a découvert qu'elle travaillait pour le diable et elle a décidé de ne plus le faire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? En tout cas, ça va former deux groupes ici. Les femmes qui ont découvert la vérité vont comprendre facilement. Et celles qui sont encore dans le monde ne sauront même pas de quoi nous sommes en train de parler. Elles ne sauront même pas de quoi nous sommes en train de parler. Mais là où elles sont, quand elles vont sortir de la maison après avoir regardé cette vidéo, elles vont regarder à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a vu la lumière perdue sur la tête. Elle dit que les gens se font encore dans ça. Mais vraiment, qu'est-ce que moi-même je pense de ça? En tout cas, moi, je dois être honnête avec vous. Tout ce qui est faux, moi, je ne suis pas dedans.
J'ai dit, je ne suis pas dedans, oh, tout ce qui est faux. Pardonnez, laissez-moi tranquille, je n'ai pas dedans. Tout ce qui est faux, je ne suis pas dedans. Faux sein, fausse fesse, faux ongle, faux orteil, faux cheveux, les mèches. Vous nous énervez maintenant même. Énervez, qu'est-ce que c'est vraiment vous? Tout est faux chez vous. Même le faux, ton visage est faux. Il y a mes cas par ci, il y a mes cas par là, nous ne comprenons plus rien. Quand est-ce que Dieu a-t-il créé une femme avec la peinture sur son visage? Ah, nous sommes quand même 7 milliards, non? Pourquoi les gens qui naissent là, les enfants qui naissent là, aucun de peinture sur son visage? Et bien, vous, tout le temps, vous êtes en train de vous maquiller, vous vous cachez derrière quelque chose. Voilà. Là, vous vous cachez derrière quelque chose. Si vous ne vous cachez pas derrière la chose, là, pourquoi est-ce qu'on enlève votre perruque et vous vous plaignez? Normalement, si on enlève ta perruque, tu dois rester tranquille. Et puis, tu enlèves ta tête, tu vois, mais tes vrais cheveux sont là. Tes cheveux, ce que Dieu t'a donné, tu n'entretiens pas. Hein? Toi, c'est perruque, tu t'entretiens. Tu fais une collection de perruques, toutes les couleurs chez toi. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide, ouais. Que Dieu t'aide, ouais. Car ce sont les femmes artificielles. Les femmes artificielles. Hey! Hey! C'est-à-dire que nous, maintenant, avant de choisir une femme là, ah, on va regarder. Hein? Hey! Toi, ma soeur, si tu veux venir dans mon secteur, si tu veux venir dans ma zone, je vais te mettre dans ma douche. Moi-même, je vais te laver. Avec brosse, comment on appelle la grosse brosse là? Tout ce qui est make-up sur le visage, tu vas aimer ça. Tout ce qui est vos cheveux, tout ce qui est mèche et fil, tout sur ta tête là, tes cheveux là, moi je vais enlever tout ça, toutes les couleurs que tu mets sur tes cheveux. Je vais tout démonter pour voir clair dans ça. Parce que là, je ne peux plus marier une femme qui se cache derrière quelque chose. Ah, il faut te montrer tel que tu es, il faut te montrer tel que tu es. Celui qui va t'accepter tel que tu es là, c'est la personne avec qui tu vas aller loin. Mais si tu te caches et te pas, tu caches quelque chose, tu caches quelque chose, tu as honte de ce que Dieu t'a donné. Tu espères quoi maintenant de nous? Tu espères quoi? Donc attends, toi tout le temps tu seras caché quoi? Le gars il t'a marié, hein? Il t'a marié depuis qu'il t'a marié, il t'a jamais vu sans maquillage, il t'a jamais vu sans maquillage. Que c'est là le matin, il regarde à gauche, tu es là, tu es maquillé. Lui il se dit mais what? À quelle heure t'es-tu réveillé pour te maquiller? Il n'a jamais vu sa maquillage. Ton mari n'a jamais vu sa maquillage. Oh. Tu as tous les problèmes. Oh. Hey! Ouais. Ouais. C'est parce que tu as peur qu'il voit un autre visage à la place de ce visage que tu lui as présenté. Et c'est toi-même qui te mets dans les problèmes. Et le diable t'a aidé. Il t'a plaqué. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Le jeu de ton mari va voir ton vrai visage. S'il n'est pas fort d'esprit, hein, va demander le divorce. Parce qu'il va se dire que tu l'as trompé. Ne trompe pas ton mari, ma soeur. Sois naturel. Ouais, sois naturel. Le geste de cette soeur chrétienne, vraiment, c'est indescriptible. Pour faire de telles actions, il faudrait vraiment que vous soyez poussé par la force du Saint-Esprit, par la force de Dieu, quoi. Ouais. Moi-même, là, je suis passé par là. Moi, j'aimais écouter beaucoup la musique profane. Dans mon portable, dans ma carte mémoire, il y avait plus de 1000 chansons de musique profane. Ouais, j'écoutais ça seulement. Je ne pouvais pas m'en débarrasser facilement. Mais un jour, quelqu'un a formaté ma carte mémoire. Toutes mes chansons sont parties. J'étais en boule, j'étais fâché. Mais à un moment donné, je me suis senti libre, libéré. Et c'est un sentiment que je ne pouvais pas cacher. Je me disais, mais ah, pourquoi est-ce que je me libère maintenant de toutes ces choses bizarres là? Et puis, je me sens libre. Je me sens à l'aise comme ça, comme si j'avais un gros bois sur mon dos et le bois est tombé. Hey, c'est quel genre de fardeau ça? Ah, c'est quel genre de fardeau ça? Je m'étais étonné quoi. C'est plus tard que j'ai découvert que
On n'écoute pas toute la musique. Même la vidéo précédente vous montre pourquoi il ne faut pas écouter la musique pour fans. Pourquoi il ne faut pas suivre ces gens-là. Pourquoi il ne faut pas suivre la mode et tout ça. C'est tout simplement parce que derrière la mode, il y a les démons. Oui, derrière le monde, il y a le diable. Et c'est exactement ça. Puisqu'il vous donne tout ce qui est faux, Dieu il est vrai. Mais eux ils sont faux, les démons sont faux. Donc tous ceux qui vont s'accrocher à tout ce qui est faux, s'accrochent aux démons, s'accrochent au diable. Il n'y a que ça, c'est juste ça. Ouais, c'est juste ça. Et quand je regarde les hommes, je me dis mais c'est, les hommes n'ont pas de problème. Hein? Normalement tous les êtres humains, les hommes n'ont pas de problème. Et c'est là le matin, ce n'est pas bien de regarder le miroir. Tout de suite ils vont au travail, hein? Ils vont au boulot. Regardez moi-même, regardez, moi je m'en fous. Hein? Ouais. Mais les femmes, oh, que Dieu vous aide. Vous avez des problèmes, oh, vous avez des problèmes. Le diable cherche les femmes dans toutes les dimensions. Et la sirène, le démon, là, elle veut que toutes les femmes de la terre lui appartiennent. Et quand vous voyez avec les make-up, les faux cheveux, tout ça, elle se dit, ouais, je suis la reine. Je domine toutes les femmes de la terre. Qu'est-ce qu'elle peut me dire? Qu'est-ce qu'elle peut me dire ici? Elles ont tout ce que j'ai chez moi. Tout ce que j'ai dans mon usine, elles les utilisent. Ça veut dire que là, elles ont été renier même la beauté que Dieu a donnée. Ouais, elles sont conscientes que normalement, c'est pas la beauté. Ouais, c'est pas la beauté. C'est ma beauté. Ouais, c'est mon énergie. C'est ma puissance. Ce que je suis. Donc, on n'aura plus rien à dire devant moi. Parce que elles sont toutes sous ma domination. Le diable vous contrôle. Alléluia. Ouh, ça c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Juste comme ça. Le diable te tient par les cheveux. On va dire par les faux cheveux. Qu'est-ce que tu peux lui dire maintenant? Tu pries, ça ne monte pas. Tu pries, ça ne monte pas. Ouais. Même si tes lèvres, il y a les rouges à lèvres. Quand tu dois faire bise à quelqu'un, tu veux faire bise à quelqu'un là. Tu verras bien. Tu verras bien où tu as fait bise parce que il y a la peinture qui a resté sur son visage ou même passé par là. Hé hey, quelqu'un veut te faire, veut te donner une bise sur la joue, veut te donner une bise sur la joue. Faut te voir, vous faites bise à distance. Vous savez quoi? Vos deux joues ne se collent pas, ça va quoi? Bise à distance. Hé hey, ça c'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça? Oh, c'est quelle histoire? Les femmes, vous souffrez. C'est un truc de ouf, mes élèves, c'est ridicule. Toutes les femmes de la terre sont en train de souffrir. Oui! Ça, c'est la souffrance totale. Aujourd'hui, Dieu veut vous libérer. Ouais. Dieu veut vous libérer. Écoutez, libérez-vous un peu. Laissez votre visage respirer. Aïe, aïe, aïe. Votre tête a tellement souffert. Votre tête m'a parlé aujourd'hui. Oh, votre tête m'a parlé. Votre tête me dit de vous dire, écoutez, pardonnez. Laissez le vent la souffler, votre tête un peu. Votre crâne joli, joli. Hein? Qu'est-ce qui va bien avec vous? Ah! Vos cheveux que Dieu vous a donné là. Ça c'est un trésor. Ça c'est un trésor, hein. Ouais, vous n'êtes pas en train, c'est ça. C'est un vrai trésor, un cheveu des femmes. Ouh, les vrais cheveux, hein. Les vrais cheveux. Est-ce qu'il faut rechercher? Ah, en tout cas, moi je vous ai parlé. Hein. Moi je vous ai parlé. Moi je ne suis pas pour tout ce qui est artificiel, vous le savez déjà, je vous l'ai dit. Donc je ne vais pas passer par 45 solutions. Hein. Moi je vous dis direct ce que je pense de ça. Maintenant vous avez votre avis et vous devez vous pouvez faire votre choix. Hein. Vous pouvez choisir de continuer dans ça ou d'être libre. La délivrance maintenant c'est tout entre votre main. Ça vous choisissez d'être dans la prison ou choisissez d'être libre dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous devez savoir que il y aura une grande bénédiction qui va s'abattre sur toutes les personnes qui feront le sacrifice d'abandonner tout cela pour Dieu. Ouais, pour Dieu. Quand vous abandonnez toutes ces choses, quand vous vous libérez de toutes ces choses de vos maisons, vous dites, ah mon Dieu, vous dites, ah Seigneur Jésus-Christ, à cause de toi, moi j'ai fait ça. Souviens-toi de moi, même au dernier jour. Ouais, quand le diable essaie de venir mentir sur moi-même, m'accuser là, viens me défendre, prends-moi, envoie-moi au paradis, direct. Si tu parles comme ça et tu fais ça et que tu ne reviens plus en arrière, tu vas te prendre pour partir au paradis. Date de plus ça. Ouais. C'est quoi? C'est
Le gars qui était à la croix, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a même dit? Voici les gestes qui vont amener beaucoup d'âmes au paradis, beaucoup de femmes au paradis, parce que le diable envoie beaucoup de femmes en enfer à cause de tout ce qui est faux sur la terre. Jesus is Lord. Ouais, Jésus est Seigneur. Je pense que j'ai fait ce que je dois faire. J'ai fini de faire ma mission. Je vous ai parlé. Et c'est à vous de faire votre choix, de décider. Vous pouvez me croire comme ne pas me croire. Mais le Saint-Esprit ne ment pas. Allez prier vous-même. Allez prier, allez prier. Attrapez vos faux cheveux. Attrapez vos mèches. Dis Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu penses de mes mèches? Qu'est-ce que tu penses de mes make-up? Dis-moi tout. Et je vais vous parler à vous-même. Ouais, les Thomas, les Thomas. Que Dieu vous aide et que vous donne vraiment la force de pouvoir vous libérer de tout ce qui n'est pas de Dieu chez vous. N'oubliez pas la musique profane aussi. Hein. Ah, parce que nous donnons en parler aussi. Rendez-vous la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la cloche et soyez prêts. Si vous êtes d'accord avec moi, laissez beaucoup de j'aime pour encourager toutes les personnes qui souhaitent vraiment se libérer de toutes ces choses. Vraiment. Voilà. Merci à Dieu. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui feront le fort d'abandonner le péché. Hein? Que Dieu bénisse là. Prenez soin de vous. Wow, c'est extraordinaire. Merci à François d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nuance Urbaine et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez aller sur une page web où vous pouvez carrément télécharger le fichier bloc-notes où se trouvent nos informations bancaires. Que Dieu bénisse, frères et sœurs. Prenez soin de vous. Names Reborn.